Et bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter dans ce cours d'orpaillage le concept des obstacles. Les obstacles dans le cadre de la prospection aurifère et de vos recherches aurifères. Alors, dans un premier temps, je vais vous définir quel type d'obstacles on peut trouver au sein de la rivière et aussi vous expliquer pourquoi ces obstacles sont importants à identifier durant vos repérages et durant vos recherches. Pour pouvoir y trouver des particules lourdes et de l'or notamment. Voilà. Donc, les obstacles. Lorsqu'on fait de la recherche aurifère, il faut apprendre à bien regarder la rivière. On regarde la rivière à son niveau actuel, donc souvent l'été, le niveau est bas, mais il faut aussi, souvent lorsqu'il y a des crues, durant l'orage ou durant le printemps, que vous prenez le temps d'observer la rivière, d'aller voir la rivière, de faire des vidéos et des photos pour voir comment se comportent les flux et les zones de dépression et d'identifier les obstacles. Donc les obstacles peuvent être au sein de la rivière ou alors à l'extérieur de la rivière sur les berges. Quels sont les différents types d'obstacles? Par exemple, ça va être des gros rochers. Ça peut être des mini placiers à galets plus ou moins gros en fait. Ça peut être la base d'arbres. Ça peut être des arbres couchés dans la rivière. Donc perpendiculairement ou orthogonal par rapport au flux de l'eau. Ça peut être des rifles. Ça peut être des barrages plus ou moins importants. Donc là, vous avez une liste d'obstacles. En général, on trouve ces types d'obstacles au sein d'une rivière. Alors, par quelques schémas, je vais vous expliquer le principe des obstacles et en quoi ça consiste et pourquoi il faut chercher dans les obstacles. Alors, si on regarde par exemple la rivière vue de dessus, on a le flux de l'eau qui arrive comme ça. Donc ça peut être des obstacles aussi bien dans le cours d'eau de la rivière ou alors à l'extérieur de la rivière en temps de crue. Ça peut être par exemple un gros rocher. Ça peut être aussi un tronc d'arbre couché. Un tronc d'arbre perpendiculaire à la rivière. Sur un dépôt de barre, ça peut être des mini placiers. Ça peut être aussi des barrages anthropiques ou des constructions humaines. Hein ? Des bassins de retenue d'eau, par exemple, ce genre de choses. Lorsque le courant de la rivière circule avec les alluvions, durant les crues ou durant la période normale, ces obstacles vont créer des zones de dépression. Comme l'or, lui, il a tendance à aller tout droit. Il est très lourd, c'est une feignasse l'or. Il est lourd, il va tout droit. Il se traîne. Donc l'or, il aura toujours tendance à aller en ligne droite. C'est ce qu'on appelle la gold line. La gold line, je vous expliquerai ce que c'est que ce concept dans une autre vidéo. Donc ces différents obstacles, ça va créer des zones de dépression
Qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que ça va créer ce qu'on appelle des zones aurifères. Des zones aurifères. Dans lesquelles des particules d'or vont avoir tendance, avec plus de probabilité, s'accumuler. Donc là, on est en vue de dessus. Si on regarde, si je regarde avec une vue de profil, si on prend par exemple un gros rocher ici et le tronc d'arbre ici, donc là c'est un gros rocher. Donc, il y en a aussi avant. Il y en a avant et après des obstacles. Toujours parce que c'est une zone de turbulence. Donc, je reviens à la vue de profil. Ici, il y a l'arbre ici. Alors, on va avoir un horizon aurifère avant et après l'obstacle. On appelle ça un horizon aurifère. Il sera plus important à chaque fois en aval de l'obstacle, et il y en aura toujours un petit peu en amont de l'obstacle. Donc amont, aval. Donc lorsqu'on voit une rivière, il faut chercher les obstacles, les repérer. Donc pendant les crues et lorsque le niveau de l'eau est bas, ça peut être à l'intérieur de l'eau, au sein de la rivière, ou alors sur les berges, au sec, en extérieur. Moi par exemple, je préfère chercher en dehors de la rivière, au sec, hein, parce que je ne peux pas accéder à l'intérieur de la rivière, de par mon handicap. Donc les obstacles, c'est toujours ce principe-là qu'il faut retenir. Ça va créer, là il y a le niveau de l'eau de la rivière, ça va créer une zone de turbulence qui va faire tendance, qui va avoir tendance, par effet Venturi, par aspiration, par dépression, à aspirer l'or vers le bas, par gravité aussi, et du coup il va avoir une concentration plus importante en aval de ces obstacles et un petit peu moindre en amont de ces obstacles. Donc ça, c'est une règle de base qu'il faut comprendre, qui est très importante et qu'il faut bien maîtriser, bien appréhender. Alors, si on se penche sur les mini placiers, donc, et qu'on zoome un peu sur cette partie-là, hein, donc, imaginons un cas qui se présente souvent en orpaillage. Le cas des mini-placiers.
Donc, imaginons un cas particulier où on a... Donc, on est à quelques mètres de l'eau, par exemple. On sait que le courant en cru, il est comme ça. Et on regarde de dessus. Vu de dessus. Alors, imaginons, j'ai un regroupement de galets, comme ceci. Donc ces galets sont des obstacles . Ce sont des sortes de rifles, virtuellement et concrètement. Ils sont orthogonaux ou perpendiculaires par rapport au sens de la rivière. Hein ? Donc là, on a des gros galets. Donc, qu'est-ce qui va se passer ? On va avoir un horizon aurifère en triangle, comme ceci. Donc, un horizon aurifère. Dans cet horizon aurifère, on va trouver des grains et des particules d'or, des particules lourdes, des plombs de pêche, des objets en fer. Donc ça aura tendance, toujours par aspiration, par l'effet Venturi, ça aura tendance, statistiquement, à ce qu'il y ait plus de chances qu'il y ait une concentration de sable noir et de matériaux lourds, concrètement. Et très souvent, dans les interstices ici, entre les gros rochers, on va trouver des horizons aurifères qui seront encore plus denses et qui concentreront encore plus de particules lourdes. Et donc des paillettes d'or, des grains d'or. Donc ça, c'est le principe des mini-placiorifères qu'on peut trouver sur les berges, hein, en terre ferme, en zone sèche. Moi, je trouve que c'est plus facile à accéder en zone sèche qu'à l'intérieur de la rivière. Donc ça, c'est un concept aussi qu'il faut prendre en compte dans le cadre de vos recherches. Ça peut être présent aussi sur les dépôts de barres, mais les dépôts de barres, il ne faut pas trop les entamer parce que ce sont des endroits où les poissons se reproduisent. Donc moi, je déconseille de travailler les dépôts de barres. Il faut surtout que vous pensiez à reboucher vos trous aussi, les amis, quand vous faites des recherches, parce que des fois, c'est un peu verdin, quoi. Hein, reboucher vos trous. Alors, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre sur les obstacles ? Ça peut être des obstacles de n'importe quel type, hein. Ça peut être des constructions humaines ou des choses naturelles, des objets naturels. Donc après, les concentrations peuvent être variables en fonction du type de rivière, en fonction de la géologie du coin. Hein. Donc c'est à vous de rechercher ça et de faire vos échantillonnages, vos tests. Et notamment, vous pouvez prélever ces substrats avec une pelle et puis ensuite les laver au pan. Et je vous conseille aussi de les tamiser aussi avant. Hein. Voilà, donc faites des échantillons avant de sortir la rampe de lavage aussi, parce que ça vous évitera de défoncer complètement toute la verge et toute la zone, quoi. Parce que des fois c'est verdin. Voilà, donc vous sortez la rampe uniquement au dernier moment, lorsque vous êtes sûr d'avoir un endroit, on dit qui paye, quoi, un endroit riche en concentration aurifère. Voilà. Donc bon, c'est tout ce que je peux vous dire sur les obstacles en règle générale. Alors bien sûr, ce sont des schémas de concept, hein. Ça permet de modéliser une idée, des idées. Souvent, la réalité du terrain est beaucoup plus compliquée que ça, mais bon. Il faut faire des thèses, des échantillons, et à vous de voir ensuite, il faut chercher. Hein. Voilà les amis.
Donc si vous avez des questions ou des remarques ou que vous voulez partager vos expériences, n'hésitez pas à m'en faire part. C'est toujours intéressant. Et je vous remercie en tout cas pour votre fidélité et pour je vous remercie aussi de me suivre, les amis. Prenez soin de vous. Tchuss, je vous embrasse.